I got some dirty shit to pick up at the dry cleaner. I got a tiny bitch to pick up, I got love Selena. Shady hop up in the whip, but I ain't never seen it. Shady love the way I whip it in a two-seater. Vidéo, une nouvelle qui vient d'arriver, celle que je voulais absolument, la Manon Racing première génération. Voilà, vraiment la carrosserie est parfaite. Je peux remettre tout d'origine, autocollant, tout d'origine. Enfin, magnifique. Ouais, il manque le cache du radiateur. J'ai les carters qui sont là avec le rétroviseur. Le guidon n'est pas d'origine, bon, malheureusement, je vais essayer de voir si je peux en trouver un. J'ai ça, le calepied. Voilà. Vous la voyez pour l'instant et vous la verrez la prochaine fois. Bonjour à vous, ami Mover. Voici la MR1 que je suis en train de restaurer. Donc là, j'ai refait la coque arrière qui était une couleur dégueulasse, ainsi que la bulle avant en noir. Donc j'ai retrouvé des calepiers à peu près similaires à l'origine, quand même, c'est pas les d'origine, mais quand même similaires, c'est un grand mot. Juste, j'ai besoin de votre aide. Je cherche une écope gauche, pas trop cher. Enfin, j'en trouve, hein, entre 25 et 30 euros. J'en ai trouvé sur internet. Le problème, c'est qu'elles sont, la trois quarts sont vendues. Donc, j'aimerais éventuellement en trouver. Ensuite, il me faut le kit autocollant d'origine. J'aimerais bien, mais pas 140 euros. Ça serait bien dans un budget raisonnable. Voilà. Donc, si vous avez ça, éventuellement, vous pouvez me laisser des commentaires. Ça serait sympathique. Pour finir cette restauration. Donc les carters là, je les ai, hein, faut pas s'inquiéter, je vais leur faire tourner, etc. Donc voilà. Bonjour à vous. Voilà, comme je disais dans l'autre vidéo, il y avait un problème avec le kick. Là, le problème est résolu. Voilà. Voilà. Alors je vous explique qu'est-ce qui se passe. Alors, le système de kick, ce qu'il faut savoir, c'est que vous avez donc le pignon qui s'enchaîne sur l'allumage. Et bon, celui-là, il n'avait pas de problème. Il faut regarder les dents. Hein, les dents, si elles sont bonnes ou pas bonnes. Et ensuite, il y a un truc tout bête, c'est le ressort qui est derrière. Il se trouve derrière ici. Le ressort n'est pas forcément assez tendu pour faire bouger le système qui entraîne l'allumage. Donc, en fait, j'ai vu un tuto sur Internet, hein, sur YouTube aussi, d'ailleurs, qui expliquait qu'en fait, il fallait faire un tour en démontant cette vis-là. Sauf que... il se peut que cette vis-là ne se démonte pas comme la mienne, entendu. Donc ce que vous faites, c'est que vous démontez le kick ici, qui est la vis ici. Vous démontez le kick, vous le tirez jusqu'au bout. Vous faites un tour comme ça. Hop. Et après, vous le remboîtez, vous tapez dessus et le ressort est tendu. Et après, vous n'aurez plus ce problème-là, vous voyez. Hop, il s'engage tout de suite. Voilà, donc le kick déjà c'est résolu. Il me reste encore cette biellette qui, des biellettes de pot d'échappement qui me pose problème. Parce qu'au moteur, il ne se lance pas suffisamment. Et puis, ouais, le carbu aussi qui broute un petit peu, mais ça, je pense que c'est dû à mes grilles que j'ai installées, les grilles du carbu 15. Donc, ça, il faut que je regarde ça. Voilà, bon, c'était un petit tuto sympa qui pouvait éventuellement vous aider. Voilà, bon courage à vous, ciao. Rebonjour, deuxième tuto. Toujours sur la Magnum Racing première génération. J'avais un problème avec la biellette du pot d'échappement, Gianelli. Ce qui se passait, c'est qu'en fait le moteur prenait pas ses tours. Pourquoi? Parce qu'en fait la biellette restait bloquée. Il faut, là je pourrais pas vous le faire parce que j'ai essayé tout à l'heure de le faire, j'ai failli faire tomber le téléphone, c'est une grosse connerie. C'est en fait quand vous avez votre moteur qui se met à faire le balancier avec le ressort, il va monter comme ça. Si votre biellette reste fixe, votre moteur ne prendra pas ses tours. Donc en conclusion, vous avancerez pas et c'est pas bien. Alors quand vous êtes en vitesse de pointe, c'est bien parce que justement, ça permet de le relancer. Mais au démarrage, c'est nul à chier. Donc en fait, il faut que ce système-là fasse levier, c'est-à-dire qu'il suive le mouvement du moteur. Une fois qu'il suit le mouvement du moteur, c'est bon. S'il suit pas le mouvement du moteur, c'est que c'est pas bon. Il y a un problème quelque part, soit votre biellette elle est trop tendue. En général, elle est en bonne position. En général, si elle est en position de l'autre côté comme ça, c'est que c'est pas bon. En général, c'est que vous allez avoir des problèmes, vous allez voir par vous-même, c'est qu'à un moment donné, ça va bloquer. Moi, c'est vrai qu'à l'époque, je préfère l'époque NG où je suis comme ça, tout ce qui était à
pot à pompe, parce que les pots à pompe, on avait ce qu'on appelle une bielle fixe. Et après, en fait, on avait un système ici en deux mouvements qui permettait justement de faire le réglage en deux mouvements. J'ai une 103 Vogue, et en effet, j'ai un Poké Ninjutsu, et c'est vrai qu'on a un démarrage et puis une nervosité qui est complètement différente. Les biellettes, ça a toujours été une vraie merde à régler correctement, mais ça peut se régler. Hein. La preuve, c'est que j'y suis arrivé. Là, j'ai toujours un petit problème au niveau des tours, parce que je pense que c'est au niveau du carburateur, c'est que faut que j'enlève les petites grilles, parce que je trouve qu'il a pas assez d'air. Donc ça, je vais essayer de voir ça. Et puis, sinon, à part ça, voilà, l'histoire de la biellette, je pense que c'est réglé, parce que j'ai bien vu le mouvement du moteur qui arrive bien, qui prend bien ses tours. Donc ça, c'est l'avantage. Voilà. Eh ben, à bientôt. C'est un petit bémol, c'est que l'autocollant ici n'est pas tout à fait pareil que l'autre. C'est un petit peu merdé. Voilà. Toujours le problème avec le kick, là, qui reste censé une fois sur deux. Et comme vous pouvez voir, la lentille tient super bien. Elle marche plutôt fort, hein, parce que je l'ai essayé ouais, au premier 80. Donc elle a 6341 km. Paul Gianelli et Carbu 15. Ah ouais, le klaxon fonctionne. Les coupes-circuits donc possible. Salut ami Mauber. Voilà, bon, je l'avais déjà vu l'autre fois, hein. Mais là je refais hein, une vidéo pour montrer plus de détails. C'est vrai qu'on n'entendait pas bien dans l'autre vidéo parce qu'elle a oublié de tourner, etc. Donc, bah, comme vous pouvez voir, donc il y avait la coque arrière que j'ai refaite, que j'ai repeinte, donc en trois couches. Donc j'ai mis des autocollants parce que le kit autocollant coûtait trop cher. Enfin, je trouve que c'est vraiment n'importe quoi de vendre des autocollants d'origine à des prix exorbitants. Même si c'est un modèle recherché, bon, bref, voilà. Donc voilà, j'ai fait fabriquer des autocollants par MPA Déco, qui m'a fait des autocollants sur mesure MBK Magnum Racing. Et j'ai fait une petite série limitée pour faire genre que c'était une série limitée qui aura pu sortir dans les années 90. Ensuite, il y a des petits détails qu'on voit pas comme ça directement. Donc, sur les amortisseurs, vous voyez, et sur les valves des pneus, vous avez des bouchons de réservoir air comme Racing que j'ai installé en supplément. Et ici, là, vous voyez, donc j'ai reçu avoir les deux écopes que je trouvais pas sur Internet, que j'ai perdu un enchère sur eBay, mais que là, j'ai retrouvé même à un prix défiant toute concurrence. D'ailleurs, je le remercie la personne sur le bon coin qui me les a vendus. Donc j'ai acheté les deux à 30 euros. Et pareil, je les ai mis en liquide, j'y mets un petit liquide Kool-Aid en autocollant. Et ensuite j'ai repeint donc les jantes qui étaient en gris, je les ai repeint en noir. Donc les pneus, c'est là, c'est à l'avant, c'est un Michelin. Et à l'arrière, c'est un Michelin M29S, donc type d'origine de la chez MBK Magnum. Ensuite, qu'est-ce qui n'est pas d'origine sur cette mobylette? Ben, la question, elle est là.
Eh ben les poignées, parce que les poignées domino, je les ai sur le côté, mais je les ai pas remises parce qu'elles sont vraiment pas confortables du tout. Franchement, c'était affreux. Déjà la selle, c'est affreux sur cette machine, mais là les poignées, c'était une horreur. Hein. Donc je les ai changées, j'ai mis des poignées genre domino qui sont très sympas, très moelleuses. Le coupe-circuit, tout ce système-là, reste d'origine. Peut-être que la poignée, je pense pas qu'elle soit d'origine. J'ai bien, je pense pas. Le guidon, en tout cas, n'est pas d'origine. C'est un guidon Z-bar chromé qu'on pouvait trouver à l'époque aussi. Le compteur affiche 6341 km et ça c'est le kilométrage réel de la mobylette, ça je le sais parce que j'ai eu le propriétaire du véhicule qui l'a acheté pas neuf mais d'occasion et le compteur fonctionnait toujours, il fonctionne encore. Le garde-boue avant, bah, j'ai rien fait, j'ai pas repeint, donc j'ai repeint ça aussi en trois couches. Il y a certains trucs, hein, un petit peu de bavure sur certains côtés, bon c'est normal, c'est un peu de poussière aussi. Hein. Alors par contre, vous voyez, comme quoi je laisse tous les petits défauts de la mobylette, le côté vécu de la mobylette, quand on regarde de près, il y a des petits défauts et c'est normal, je préfère les laisser parce que j'aime bien le côté vécu des mobylettes. Voilà. Le kick n'est pas d'origine, puisque normalement un petit kick, vous avez une petite levrette ici sur l'origine. Ça c'était le kit adaptable HE X-Wing, si je me rappelle très bien. Et c'est une grosse merde ce kick parce qu'il kick quand il veut. Donc ça, faut que je revoie tout ça encore. Ça m'énerve. Donc il me reste ça encore à revoir. Ensuite, là, vous voyez, bon, ce réservoir, c'était bien une noire à la base, c'est pareil, il y a plein de petits impacts dessus. Pareil, la coque arrière, bon, ça, je l'ai dit, était repeinte. Le broussillon, j'ai juste nettoyé, pas plus. Les cale-pieds, ce n'est pas des cale-pieds d'origine. Pareil, c'est des cale-pieds que j'ai adaptés dessus, mais ils sont pareils, ils sont un peu plus confortables. Mais j'ai les cale-pieds d'origine aussi. Ça, je les ai. Il n'y a que le guidon, en fait, que je n'ai pas d'origine. Et les autocollants, bien entendu. Ensuite, on a un pot Janelli, donc c'est le black chrome qu'on avait à l'époque. Il marche plutôt fort, hein, plutôt sympa. Par contre, il faut que je règle cette biellette, parce que ça va pas du tout. Carbu de 15 en atout. Les carters, pareil, en terre-peint, en couleur noire foncée. En trois couches aussi. Et puis, l'écope que j'avais déjà, celle-là, je l'avais déjà. C'est manqué le côté gauche, mais vu que j'ai eu les deux, autant changer les deux. Ensuite, bah, le coupe-circuit, klaxon et phare, tout fonctionne. Bah, après, bon, tout le reste d'origine. Donc, c'est vraiment je dis, une mobylette que j'ai toujours voulu et que j'ai eu à l'époque. Enfin, moi, c'était pas une vraie Magnum. J'ai eu une MBK51 Hard Rock que j'ai transformée en Magnum Racing. Sauf que la bulle à l'avant, c'était pas celle-là. J'avais mis une bulle d'RCX. Je me rappelle très bien l'avant. Par contre, la coque restait la même à l'arrière. Il y a aussi donc une poulie. Qui est une poulie aluminium dessus, donc c'est pas la poulie d'origine, mais hormis ça, franchement, elle est plutôt pas mal. Alors, c'était bien une noire, c'était une black, sauf que la selle, c'était une selle qui prenait d'une Wello, une jaune, et puis la bulle à l'avant provenait d'une blanche. En fait, j'ai regardé en repensant les trucs que c'était pas les couleurs d'origine, donc ça c'était une blanche et ça c'était une jaune. Voilà, après, bah oui, après 10 ans, elle a retourné correctement, elle tourne super bien. Quelques petits réglages par-ci par-là encore à faire. Mais j'en suis bien content. Voilà, à bientôt!